quoi, tu vois. Après, 100 000, c'est peu quand même pour cette bagnole. Ouais, bah oui, c'est l'RP, gros, c'est dur, hein. C'est pas facile. Hein. Ah, t'aimes. Ah, oh, t'aimes pas sa petite bagnole de merde! Fils de pute, va. Vas-y, vas-y, viens, on va mettre de partie tout le monde là. Déjà. Je sais pas. Je pense que oui, je vais faire ça. Ah, je RP, gros. Oh, elle est trop belle.
On va faire le truc anti-émette. Waouh, y a du monde là. Frère, plus de monde que de choses ici, frère. Monsieur, j'aimerais bien un rendez-vous avec... Il rentre dans le bar. Juste une question, pour... Le prix d'une BMW, c'est combien dans le jeu? Oh, en l'air, Christopher, en l'air, par contre, c'est plein de sirènes. Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir rendez-vous avec le président? C'est vous qui parlez, madame? Non, arrêtez de me pointer là, je comprends très bien. Veuillez monsieur... Une question les gars, pour voir les prix des voitures, comment est-ce que je fais? Pour voir le prix des voitures, comment est-ce que je fais? C'est qui le président? Celui qui demande les prix des voitures, il y a un concessionnaire en ville, sauf qu'il est pas là en ce moment. C'est Francis Mesnich. On peut rentrer monsieur là ou... Monsieur le Président, est-ce que je peux aller prendre rendez-vous avec le Président?
Oui. Monsieur le président. Ah, mais je la connais, elle. Ouais, oh, on va l'écrire. Elle, je vous dis, la madame, s'il vous plaît, il y a un million d'euros. Bonjour, madame. Ah, je suis fatigué de voir ce monde. Il y a la plus. Les flics. Oui. Comme dit. Dans les gouttes, on y va. Et monsieur, votre genre de vodka, pour vous, c'est gratuit. Merci beaucoup. Merde, bah, c'est gratuit, c'est payant, mais. Bah, attendez, je vous donne tout de suite l'argent. Combien ça coûte? Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, madame, surtout. Ah, merci beaucoup. Oui. Ça veut dire gratuit? L'amour est dans le pré. Bon, quatre flics sur un innocent. Qui va se passer-t-il? Je ne sais pas, franchement. Monsieur? Oui? Oui? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Juste une question. Vous travaillez dans quoi? Dans un peu plutôt express, dans la livraison des camions et tout ça, quoi. Enfin, si vous voyez ce que je voulais, je travaille, je suis le patron de plutôt express, donc d'accord. Juste une question, pourrais-je prendre rendez-vous avec vous? Ah, oui, là. Ouais, bah oui, je suis là. Ouais, parce que là c'est un peu le bordel. Bah, pire, venez, suivez-moi parce que ça va être le bordel. Non, moi pas pouvoir rentrer dedans, je ne sais pas être halal. Venez. Où êtes-vous, monsieur? Bah, je suis dans une voiture, attendez, vous êtes où? Je suis là, vous ne me voyez pas? Vous qui m'avez... Ah, c'est vous le berceau que je vois partout. Par contre, moi pas aimé Justin Bieber. Attendez, j'ai faim. Mais les filles, ils devraient m'arrêter là. Hein. Mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle veut elle là? Je vais la castrer elle, si elle me saoule là. Attendez. Si elle continue à me suivre, je vais. Ouais, frère, wow. Ah merde, non, attendez, ils vont m'arrêter là. Arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, moi. Recule. Oula, je sais pas, il y en a qui me dit recule, avance, frère. Inquiète-toi, hein, je sais pas, moi. Derrière moi, tu vas venir avec moi.
Wow. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mais qu'est-ce qui se passe? Montez dans mon véhicule, dépêchez-vous d'un instant. Mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Derrière. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur, moi? Moi, j'ai rien fait. Autorisation d'ouvrir le feu. Vous voulez, j'espère. Un bleu, t'as pas le droit de crever. T'as pas le droit de rouler avec un bleu crevé. Bah, attendez, j'essaie de monter derrière, ça veut pas. Ah, voilà, c'est bon. Ils enfuient là. Marcos. Putain, sérieux, gros, c'est le règlement. Attends, au commissariat, brigade. Eh monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Oula. Monsieur. Ok. Parle plus. S'il vous plaît, enfin, je prends mon arme. Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Vous venez de moi, j'espère, monsieur. Allez, vous êtes dans mon bureau. Dans mon bureau, s'il vous plaît, monsieur. Vous venez. Vous avez monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Suivez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je vous suis pour faire la garde ou pas? Oui, suivez-moi. Ah ouais, votre bureau. Mais je vais pas me barrer, monsieur. Moi, j'ai rien fait de mal, enfin, je sais pas. Monsieur, alors. Insulte à agent et délit de fuite, ça dit quelque chose, non? Hein? Mais de quoi, insulte à agent? Moi j'étais dans la voiture en train de parler avec un. Un civil qui voulait travailler avec moi. Allez faire une petite patrouille, voilà, merci. Oh, ok. T'es monsieur, mais je suis en train de parler avec un. Ça vous dit rien? Alors? Non, j'ai pas insulté, j'ai dit quoi? Dites-moi. Vous êtes dur. Bah, dites-moi, parce que. Enfin, j'étais dans ma voiture en train de parler avec un collègue au téléphone et. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. On pique pas ma voiture, s'il vous plaît, les collègues, hein. Non, restez pas. Et réunion dans. À 6h du mat. Réunion. À 6h00, oui. Réunion. Allô? Oui, monsieur. Ouais. Ok, toi, comment tu t'appelles, toi? Bonjour. Je m'appelle Wilson. Wilson, tu vas aider la recrue. Allez, go. Tu prends la voiture et tu vas aider la recrue. Je te rappelle que tu le recrue, ça peut plus 4 heures. On va aller faire une très grosse recrue pour moi. Je vois pas les couilles, c'est quoi? Arrête, il y a des grâces. Tu vas prendre la mur et tu bouges plus. Ah mais monsieur, j'ai pas insulté, j'ai rien fait. Vous allez avoir une petite amende, monsieur, hein, vous êtes d'accord? J'ai rien fait. Bon, alors... Ouais, j'ai reçu des amendes sans pression comme ça, gros. Attends. Vous avez insulté un agent de police et... J'ai dit quoi, monsieur? Dites-le, j'ai dit quoi? Attendez, je vais vous appeler. Ouais, parce que c'est bruit un peu. Hein. Oui, monsieur, dites-moi, mais j'ai rien fait. Fermez vos gueules, sale connard, ça vous dit pas? Ça vous dit rien? Hein, mais j'ai jamais dit ça! Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une petite amende à. Monsieur, je vous jure, j'appelle un collègue qui était à côté de moi, je vous jure, j'ai jamais dit ça. J'étais au téléphone avec lui parce qu'il y avait trop de bruit comme on fait là. Bon, bah vous aurez un outrage à agent de 1200 euros et d'amende plus. Oh là là, vous mélangez tout, monsieur. Putain. Monsieur, je suis un patron d'une société et vous me dites que j'ai dit ça à un officier de police. Alors ça, c'est du jamais vu. Officier, monsieur, s'il vous plaît, je suis capitaine de police. Mais... Je dis pas officier. Merci. Mais monsieur... Je vous jure... Plus, je vous jure... Non mais monsieur, si vous voulez, j'appelle un collègue qui est avec moi au téléphone, j'ai jamais dit le mot là. Enfin... Attendez 2 secondes. 2 petites secondes.
Enfin, je sais pas. Attendez deux petites secondes, s'il vous plaît, monsieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est très gentil. Je suis d'humeur aujourd'hui, hein. J'ai un enfant, donc je vais être gentil. Je vais vous laisser partir, ça va être un avertissement oral. Ok, mais si vous voulez, je vous dis, j'appelle le collègue. Mais, si un de mes collègues vous reprend en train d'insulter un autre. Mais j'ai, monsieur, je vous promets, sur mon véhicule. Vous me laissez parler, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, vous me laissez parler, s'il vous plaît, sinon ça ressemble à ce que je parle. Je ne rigole plus. Si un de mes collègues. Là, je prends votre nom et prénom, s'il vous plaît. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Ah, pardon, c'est RN. Eren Dienger, c'est G-A-G-E-R. Attends, G G-E. Ton prénom c'est quoi? Ton prénom c'est quoi? Eren, E-R-E-N-E. Enfin, E-R-E-N. E-R-E-N. Okay. Ouais. Ton nom de famille? Dienger, J. Ouais. J. A. A. G. ER. ER. Ok, donc avertissement. Avertissement oral. Voilà. Il y a un petit avertissement oral, je vais être très sympa, je pense. Vous pouvez partir et vous reprendrez votre véhicule. Je pense qu'il y a un collègue qui va vous accompagner à votre véhicule. Monsieur, vous arrêtez. C'est mon collègue, il est... Excusez-moi, je le prendre de mon collègue. Donc monsieur, si vous voulez, on se donne rendez-vous à un moment donné avec mon collègue. Partez, s'il vous plaît. Mais je vous jure, si vous voulez, je vous montre la rediffusion même. Ah, vas-y. Je veux plus entendre parler de vous, merci. Monsieur, putain, non. Putain, vas-y, c'est qui m'avait appelé, c'est qui déjà? C'est lui hein? Mais non, lui c'est le patron. Attends, je vais vérifier encore où, parce que je me trompe, regarde. Oh putain, je vais faire tuer. Mais non, c'est pas lui. Putain, mais qu'est-ce que je fais là? Vous direz dans un garage, on a trois garages de deux, on a six garages en tout, vous direz dans un garage. Et ça c'est mon véhicule. Ah non, c'est pas le mien, excusez-moi. Non, celui il est à moi, le tien, juste à côté. Ah, excusez-moi. Non, vous montez dans mon bureau et vous bougez votre prêt. Dépêchez-vous s'il vous plaît, hein. J'ai pas que ça à faire moi. Oui monsieur. Tout le monde est là ou pas? Bah allez monsieur. Bah c'est là putain. Bon, alors. Il manque plus qu'un brin.
Monsieur, vous partez s'il vous plaît. Ok, je pars, monsieur. Ça vous met une balle. Vous partez tout de suite. Ok, je pars, attendez. Par contre, monsieur, ces véhicules sont interdits, s'il vous plaît. Il y a que moi et mon capitaine, le capitaine secondaire. Non, ne tirez pas, monsieur. Merci. Bon, alors. Affaire à mon collègue, mon capitaine adjoint n'est pas là exactement. Donc je fais une petite conférence en ligne. Donc aujourd'hui, HRP, donc ça va être HRP et RP. Attends, aidez-vous s'il vous plaît. Non mais ta gueule s'il vous plaît, merci. Arrête, sérieux, arrête de me couper toutes les deux secondes. Arrête. Mais je m'en bats les couilles. Si tu me coupes et je te dis même pas un truc là. Et t'écoutes même pas ce que t'as dit juste. Mais est-ce que je viens de dire HRP, t'écoutes même pas, je viens de dire HRP mais tu comprends même pas pourquoi j'ai dit HRP. Donc écoute et après tu comprendras. Écoute après tu comprendras pourquoi j'ai dit ça. Ne me casser les couilles parce que t'es chef admin que tu vas me casser les couilles. Bah non, je t'appelle, t'es en train de faire quoi alors? Juste, je pense que t'es chef admin. Ton beau gosse est moi. Tu vas pas respecter ton agression de casting. Bon alors, bah viens là. Ouais, je vais regarder. Et après tu dis qu'il y a tout mon gars. Oh là là. Oh, j'espère que tu vas avoir des pains comme toi mon gars et tu vas être tiré. Très j'espère. Bon alors, là. Je vais vous faire une petite conférence. Donc tous les mois, il va y avoir un petit brief dans mon bureau. Donc vous allez me dire vos grades parce que pendant quelques temps j'ai été en vacances. Donc mon capitaine adjoint, le capitaine a pris le rôle. Donc après le rôle, donc vous allez me dire tout simplement vos grades que mon collègue m'a dit. Donc il y aura de nouvelles règles aussi, des règles plus strictes. Par contre les gars, les armes de vos tues, ça sera pas comme ça. Ça ne tranche pas comme ça maintenant. Donc alors, donc vous allez me dire tout simplement vos grades. Monsieur avec le tatouage, celui-là, vos grades plutôt. C'est quoi votre grade, vous avez dit? Est-ce que vous avez fait vos quatre heures de formation avec un capitaine ou un capitaine adjoint? Avec qui s'il vous plaît? D'accord. Bah, pas du tout, c'est pas du tout un petit peu bien, mais pas un petit peu non quand même. Bon, bah vous êtes toujours au feu. Au revoir. Non, bah, non parce que même s'il n'y a pas moi ou Hugo, c'est quand même les grades selon le reste. Il n'y a aucune formation qui part. Donc c'est en gros tu vois. Bonjour Mathieu. Bonjour. Il y a un ami là qui cherche un travail. Arrête, il y a un de mes amis là qui cherche un travail, Ah, désolé, en ce moment, il y a beaucoup de trucs à faire, donc... Il y a beaucoup de trucs à faire, madame, donc je suis désolé, mais... Donc attendez, alors, vous allez me dire, donc, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je suis pas flic monsieur, donc si vous voulez poser les questions là, vous posez aux questions qui sont les flics qui sont là, ou si vous voulez savoir. Quand vous avez dit plus strict, appelez-vous s'il vous plaît. Merci. Bah vous demandez aux policiers là-haut. Un collègue qui va, une personne qui va. Une seule personne. Et pas non, 5 personnes.
Monsieur le policier. Bonjour. Bonjour. Oui. Il y a un monsieur qui cherche un boulot là. Il y a un monsieur qui cherche un boulot, oui, mais c'est pas la police qui faut venir chercher un boulot, monsieur. Non, mais attendez, j'ai écouté. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il cherche, monsieur? Un boulot. Du boulot ouais. Un boulot, frère, oh. Infirmier, vous voulez ouais, il veut être policier, lui, c'est un vénère, lui, en ce moment. Pourquoi j'ai eu tour de moi? Moi, j'ai rien fait, monsieur, arrêtez, là. Je me sens persécuté tout d'un coup. Oula, la police ose un peu le ton, là. Moi, j'aimerais bien avoir genre juste un travail, parce qu'en fait, je croyais devenir. Pourquoi vous me visez, monsieur? J'ai pleuré de votre faute, monsieur. Ah, monsieur, arrêtez, monsieur. Arrêtez. Mais monsieur, ça brûle. Mais monsieur, vous me faites pleurer. Non mais monsieur, je suis venu pour aider cette personne et vous me tirez dessus. Mais monsieur, vous me faites pleurer là. Oula, ouf. Non monsieur, j'ai pas envie d'avoir d'amende. Moi je reste près de l'arbre. J'ai pas envie de mourir. Hein. Ouais, moi, ok, toi on est couru là. Ok. Prends des balles. Tiens avec moi. Ma parole, tiens avec moi. Mais non, qu'est-ce que je fais moi? Viens avec moi, connard. Bon. Tu restes là, t'es calé, t'as pas envie de bouger. Ah, c'est tagué, tu bouges pas. Oula, ça tire partout, monsieur. Wow. Ah, monsieur, j'ai reçu des balles là. Oula, monsieur, là, vos collègues ils sont un peu foufou. Oula, ouais, y'a beaucoup de flics par contre, hein. Vous êtes beaucoup. Hein. Ouais, c'est une grande ville. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est une grande ville, monsieur, j'ai oublié. Eh hey, monsieur, vous m'avez fait mal avec votre taser là. J'ai eu mal. Hein. Je vous ai juste circulé là. Mais je circule, monsieur. Je circule. Monsieur, je circule. Avancez. Je circule. Hein. Non, je circule, c'est bon. Non, à droite, dans le garage. Vas-y, une balle sur pas brise maintenant. Connard. Vas-y, monte. Bon bah je vais aller réparer le véhicule, hein, écoute, hein, pas le choix. Hein. Bon, voilà. Bon, alors je fais un petit truc. Qui c'est qui est recul ici? Levez la main. Moi. Attendez, monsieur, j'ai levé la main. I got broads in the land, just to me in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the band, legacies.